sentiment que ce modèle républicain, ce pacte social, est bien souvent déjà affaibli, est en train de se défaire en profondeur, et qu'il y a beaucoup à reconstruire. Oui, la tâche est rude, mais l'attente est forte. L'autre jour, une dame me disait « Nous n'en pouvons plus, je n'en peux plus. » Oh, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour mes enfants, c'est pour mes petits-enfants. Elle attend de nous, en effet, que nous redonnions l'espoir, que tu redonnes l'espoir, et notamment à la jeunesse. La jeunesse, c'est nous tous. La jeunesse, c'est la société française. C'est les parents, c'est les grands-parents, c'est les enfants, c'est les petits-enfants, c'est la France. Eh bien, ce message, tu l'as compris, et c'est ça qui t'engage. Faut-il avoir été ministre, forcément, pour être compétent? Ceux qui sont au pouvoir, qui nous parlent d'expériences, qui font même la leçon à François Hollande, et qui ont peur des primaires, eh bien, c'est ceux-là même qui sont incapables, lorsqu'ils dirigent les gouvernements européens, de répondre aux marchés financiers ou aux agences de notation. C'est ceux-là qui nous parleraient de compétences et d'expériences. Alors moi, j'ai envie d'un regard neuf. Plus notre candidat sera fort et plus la dynamique pourra démarrer. C'est pas seulement gagner pour nous, c'est surtout gagner pour la France et de faire de François Hollande le futur président de la République française. Ce que je veux aujourd'hui, c'est vous convaincre que la France est un pays merveilleux, qui a une grande histoire, une belle histoire, qui a réussi à traverser des épreuves bien plus graves que ce que nous allons connaître. Un pays qui est attendu, espéré partout dans le monde. Une langue qui est partagée par des centaines de millions. Un pays dont la culture est à la fois une richesse et en même temps un espoir. Une population qui s'est finalement découverte dans sa diversité, qui se méfie parfois d'elle-même, et qui sait bien que chaque fois que nous sommes portés par une grande affaire, une grande aventure, nous nous retrouverons tous. Et cette gauche qui a toujours été capable de redresser la France et de lui faire ouvrir de nouvelles conquêtes, nous sommes les héritiers, vous et moi, de cette grande histoire, histoire de la France, histoire de la gauche. Eh bien ça, c'est le rendez-vous que nous avons pour 2012. Est-ce que nous allons être dignes du peuple français? Est-ce que nous allons être capables de faire des promesses, mais que nous sommes capables de tenir? Est-ce que nous allons à la fois gagner et réussir? Eh bien, c'est parce que j'y crois que je vous demande, là, pour ces quelques jours, de soutenir, si vous le voulez, la démarche que j'ai engagée, qui ne s'arrêtera pas, si les Français le veulent, le 9 ou le 16 octobre. Merci à tous. Présent. On entendait vos applaudissements, vos encouragements, et même si vous n'avez pas pu être dans la salle, elle était trop petite, je reviendrai, si j'ai la confiance, le 9 octobre ou le 16 octobre, pour faire avec Jean-Marc, avec les élus qui sont ici, un grand rassemblement. Et je suis vraiment très encouragé par votre confiance, très ému même. Heureux de cette soirée, je crois qu'elle a été belle à tout point de vue. Ce souci de faire gagner la gauche, hein, c'est ce qui est ressorti le plus fort dans les encouragements qui nous étaient apportés par cette foule importante qui s'est massée dans une salle trop petite et qui s'est un moment retenue dans le hall, et puis d'autres sont même repartis en quart, donc j'ai quelques scrupules. Si je pouvais leur faire des discours dans chaque quart, je l'aurais fait, mais bon. Donc nous reviendrons, mais faut-il encore que ça vienne voter aux primaires? C'est ça l'enjeu, hein. Moi je ne sais pas ce qui va se passer. Ça dépendra là vraiment de l'effort de tous, et je m'adresse donc à chacun pour que non seulement ils viennent voter, mais ils fassent en sorte que d'autres viennent voter. Et que nous ayons, comme l'ont dit avant moi d'autres, le résultat le plus net, le plus franc, le plus simple qui permette le rassemblement le plus fort.